Et là, je viens d'avoir mon billet pour Tokyo 2020, pour les Jeux Olympiques. Après une demi-finale, si je peux dire, un peu abordable. Ça n'a pas été facile parce que le Kenyan, il a fait un grand quart de finale en battant le numéro 3 de la catégorie. Donc c'était un adversaire à prendre au sérieux. Donc dès le premier round, mon coach m'a donné des consignes claires qui étaient de travailler beaucoup à la tête. Vu qu'il attaque beaucoup la tête, donc il n'a pas une bonne garde à la tête. Voilà comment on a placé notre stratégie et puis on a battu facilement. C'est la finale pour Tokyo. Donc ce match était très différent des autres matchs. J'étais vraiment, vraiment concentré et puis je savais ce que je voulais. Ça fait maintenant, si on veut dire, 12 ans que je cours derrière cette qualification. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de l'avoir, donc je ne me suis pas amusé avec ça. Le plus dur pour moi, c'était la qualification. Quand on est qualifié, le reste, c'est... On le prend comme un jeu parce qu'on dit les Jeux Olympiques. Donc c'est un jeu, il faut aller s'amuser, s'éclater, mais toujours avec l'intelligence, la sagesse et tout. Voilà, donc c'est ça.